bouchon là. Ah ben oui, parce que là il y a un peu. Je suppose, mais. Pas trop de. Allez oh, casquette, casquette. Oh, il n'est pas sorti. Trois sorts jusqu'au bout. Hein. Casquette au bouchon. Ah, il en reste une pour toi. Mais on a le point. Ah, ils ont le point quand même. Ah bon, ben ça va alors. Bah oui, tout va bien. Tire au bouchon à sauter. L'athlète va devoir tirer. Je me demande si en quart, en demi j'en suis sûr, mais en quart j'ai des doutes. Mais je l'ai pas vu tirer une boule, parce qu'il a passé son temps à pointer. En demi il a tiré, oui. Il en a. Ah ben là il emmène le bouchon, il emmène tout et que dit le verdict? C'est un vrai semblable. C'est Foyot qui marque, je crois. C'est moi ça. Déjà celui-là il n'y est pas. Foyot il en veut deux, lui. Deux, c'est déjà pas mal. Incroyable. Deux points pour Marco Foyot dans une mène où il pouvait en perdre cinq. C'est non, trois points. Rizzo, il dit qu'il n'y en a que deux. Alors, il y en a que deux, il y en a que trois, il faudrait peut-être s'entendre, il y a des accords. Non, Daniel, c'est lui qui m'embrouille. Il n'y en a que deux. C'est la troisième bouche. Ah, je sens que ça va finir par être deux. C'est la tienne. Ça va finir par être 11-0 à l'issue de cette cinquième mène. Il n'y en a que deux. Alors, il y en a que deux, voilà. Deux points. Voilà. C'est quand même beaucoup. C'est clarifié. Il n'y a plus de doute là-dessus. Ça sera terminé. Ce sera... Oh. Ah non, qu'il est malheureux. Ah oui, là. Ah là, il est malheureux Thierry, parce que croyez bien que sur ce jeu, derrière la ligne de perte, et à 10 pas, frapper ce but, ah, il n'est pas parti du bon côté. C'est un véritable exploit qu'il a fait d'aider, là, il est malheureux pour arriver. Marco de Châtre qui s'y colle encore. Oh, yes. Il n'est pas sorti. Il est sur. Il est pas heureux. Il est à 10 cm de la ligne. Ah, il avait bien, tiré. Ouais, hein, ouais. Je le retiens. Bah, quoi, écoute. Il n'a pas le choix. Allez, encore, Marco, là. Allez, mon vieux. Et il a moins de chemin à faire, là. Ah, une petite poussette supplémentaire. Voilà, tout à fait. Ah, mais il est loin maintenant. Ah oui, il y avait 9m20, là, il y a bien 10m50. Ah, il est pas droit. Ah, il est pas chanceux. Ah, il est pas chanceux. Il n'a que 19 ans. Allez, Henri. Et c'est un sacré joueur. Alors, Henri Lacroix, il va tirer le bouchon. Ah oui, directement. Ah oui, parce que j'ai un bras manqué, l'adversaire a deux points par terre, donc il faut tirer le bouchon maintenant. Si c'est pas être malheureux, ça. C'est la boule perdue de Robin Rio qui lui a empêché de sortir ce bouchon. Pour le pointer, non ? Sans commentaire, regardez. On dit rien, oui. Ah, c'est moi. Et regardez les joueurs d'Arlan, là. Ah ouais, ouais, non, mais là. Contre le mur. Et tiens, bon, Richard Mondillon, il se retourne, il regarde pas. La tête dans les mains. Aïe. Ah Ah, elle était dehors la boule, elle était dehors ou pas Ouais, je sais pas, elle est dehors. Elle ouais. est morte la boule là-bas. Elle est morte ou pas? Non. Parce que là, si elle n'est pas morte. Mais qu'est-ce qu'elle fait? C'est celle que Stéphane Robineau il a crocheté au début, du coup, elle n'est pas allée loin. C'est une boule de tir, elle est dehors. Je sais pas, faut regarder, apparemment elle est sortie. On a vu qu'elle soit bonne. Oula. Mais je l'ai marqué, c'est bon. Ouais, mon zombie gagne le bien encore. Allez, mais non, il a tapé le but, il est allé taper dans cette boule là-bas. Ouais, mais ça, c'est de la noirceur. Ça, c'est être noir foncé, hein, ça s'appelle. Ah non, mais s'il tape la boule là, le bouchon il est sorti. Hein. Bah, c'est pour ça. Ah oui, non, mais c'est qu'il est tapé là. Il a tapé là.